Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors on entend de plus en plus de parents dire de leur enfant de 3-4 ans qu'il est hyperactif. Est-ce que c'est normal ? Oui. Alors cette hyperactivité, elle est normale avant 6 ans chez l'enfant et elle ne s'entend pas comme on l'entend souvent dans l'hyperactivité, trouble de l'attention. D'accord ? Ça, c'est quand l'enfant est beaucoup plus grand que l'on pourra identifier cette difficulté comme étant une vraie difficulté. Avant 5-6 ans, l'enfant manque de maturité au niveau du cerveau et son cortex préfrontal n'est pas suffisamment développé pour qu'il puisse mettre en jeu certaines compétences importantes et notamment l'inhibition motrice. Donc il est normal que l'enfant qui n'a pas cette compétence développée au niveau du cerveau ait du mal à inhiber et soit dans une motricité parfois très impulsive, très exacerbée. C'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. C'est pas à 6 ans, ça commence à inhiber. On travaille avant avec l'enfant pour lui apprendre à stopper, inhiber, penser ses actions, planifier et du coup tout doucement réussir à être moins dans l'impulsivité motrice. D'accord. Et si justement on veut l'aider à stopper ce corps et à davantage plonger dans la planification par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux parents? Quelle approche, quel jeu? Alors, un enfant qui a beaucoup de mal à stopper son corps et inhiber, il faudra lui trouver des jeux qui seront courts dans le temps, pas trop longs, ou en tout cas des répétitions de séquences de jeux assez courts. Je vais donner des exemples, comme les jeux de construction, ce sont des jeux qui obligent l'enfant à inhiber, penser son action, construire peut-être une tour de cube avant qu'elle ne tombe et répéter cette construction. Ça demande vraiment des bonnes capacités d'inhibition et puis de planification. Maintenant, une tour de cube, ça reste assez simple, assez basique. Donc on peut compliquer un petit peu la chose, comme par exemple avec ces pierres à empiler qui vont demander à l'enfant d'être vraiment encore plus dans l'inhibition motrice. La réflexion, la planification, comment je vais placer les pierres les unes par rapport aux autres. On a des faces plus ou moins grandes, plus ou moins inclinées. Si je pose sur une inclinaison, ça peut porter du poids de l'autre côté, donc faire tomber la construction. Tu vois, donc vraiment des choses très importantes pour que l'enfant puisse se poser. Et puis, il y a de l'intérêt, c'est du jeu, donc du coup, j'ai envie de voir ma construction monter. Si l'enfant est très impulsif, 3-4 ans, on va d'abord limiter, on ne le met pas en difficulté avec « il faut tout mettre dans la construction ». On peut mettre peut-être 3-4 pièces et l'enfant va devoir faire porter ces 3-4 pièces et après le jeu c'est elles vont tomber. Et puis une fois qu'il a réussi 3-4 pièces, on va faire 4-5 pièces et l'enfant va encore plus devoir inhiber, contrôler ses gestes de 3-4-5 puis mettre toutes les pièces et là on va voir l'enfant qui grandit et qui apprend à inhiber et développe toutes ses fonctions exécutives d'inhibition, de planification et de concentration. Merci Gaëlle pour ces conseils.